vers la vallée dormante au pied de la montagne dormante. Tu te trouves maintenant dans la maison dormante de Titien. Et moi, je suis Titien, la sorcière dans cette forêt. Alors, tu es venu me voir aujourd'hui pour passer une bonne nuit de sommeil dans ma maison, c'est ça? Oui, bien sûr. Nombreux sont les gens qui viennent me demander au secours. Je maîtrise une magie énergétique spéciale qui t'aide non seulement à t'endormir paisiblement, mais te permet de retrouver ton bonheur et ton énergie d'enfance quand tu te réveilles. Je fournis également aux visiteurs de mystérieuses potions magiques qui sont faites avec les fruits uniques à la forêt et les sorts que j'ai spécialement développés. En boire te permettra de maintenir ce bonheur dans les 6 mois à venir. Je pense que tu as déjà hâte d'essayer, mais ne te précipite pas. Nous devons d'abord faire des préparations. Tout d'abord, mange ce fruit-là, s'il te plaît. Je te l'expliquerai en attendant. C'est le fruit de l'herbe rouge du Titien que j'ai planté dans le jardin. C'est un fruit magique. Après avoir mangé ce fruit, je vais utiliser mes mains pour appuyer doucement sur ton visage, pour faire craquer la coquille d'ennui sur ta peau. Pour qu'elle puisse transformer en poussière d'ennui. Puis, je vais utiliser cette brosse pour les nettoyer de ta peau, de sorte que je puisse voir ce qui s'est passé dans ton corps. Eh bien, détends-toi un peu, ce sera en effet très confortable. C'est un fruit particulièrement délicieux, non? C'est parce que je l'irrigue avec un sort de visualisation.
tous les jours, ce qui le rend non seulement plus délicieux, mais quand un humain le mange, les problèmes dans son corps seront clairement montrés. Maintenant, c'est la saison de récolte pour ces fruits. Tous les jours, j'en ramasse quelques-uns dans le jardin. Mais pour moi, c'est juste un fruit délicieux. La magie ne fonctionnera pas sur moi. Bon, je crois que la coquille d'ennui est presque cassée. Maintenant, je vais utiliser cette brosse pour balayer les poussières d'ennui. Continue à te détendre. Nous sommes dans une petite maison en bois, au sein d'un bois épais, entouré d'une grande forêt brumeuse, où il n'y a ni télévision, ni internet, ni téléphone, ni d'autres personnes qui vivent à proximité. Tu peux être rassuré, car ici, personne ne va te déranger. Même tes ennuis seront perdus au milieu de la brume épaisse. Tomberont dans le marais et ne te retrouveront plus jamais. Parce que aujourd'hui, tu es venu comme la tante Mary Poppins dans le conte de fées. Tu as été emmené par le vent sous un Le sentiment de voler est-il merveilleux? Eh bien, moi aussi, j'aime beaucoup voler sous le vent. Parfois, quand je suis de mauvaise humeur, je monte sur mon balai et je vole partout dans la forêt en écoutant le gazouillement des oiseaux, les chants des ruisseaux, le va-et-vient des animaux nocturnes dans les bois et aussi les ronflements des autres animaux, et je me sentirai beaucoup mieux. Ben voilà, telle est la forêt, un endroit où tu commenceras
dès que tu y entres. Une autre chose que j'aime particulièrement de la forêt, c'est qu'il y a beaucoup de petits animaux qui vivent ici. Ils sont très sympathiques avec moi. Les petits lapins et les petits cerfs, voire les bébés lions et les bébés tigres sont tous très mignons. Les choses mignonnes ont toujours le pouvoir de soigner, même en les regardant. Que les poussières d'ennui ont été nettoyées aussi. C'est déjà devenu très transparent. Alors, laisse-moi voir avec ce cristal. Laisse-moi voir ce qui se passe dans ton corps. Ok, je crois que je comprends. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est d'utiliser cette aiguille magique pour faire une coupure entre tes yeux et tes sourcils. Ne t'inquiète pas, tu ne sentiras pas aucun mal et il n'y aura pas de marques comme des cicatrices après. Tu n'as qu'à continuer à te relaxer. Tu te demandes sûrement ce que je fais. En effet, il y a beaucoup de petites personnes dans le corps des êtres humains qui sont en charge de diverses fonctions du corps et favorisent le métabolisme des émotions. Dans de nombreux cas, ils maintiennent un équilibre stable. Mais parfois, l'une des petites personnes grandira ou deviendra faible, ce qui empêche la circulation de l'énergie de fonctionner correctement. Tous les symptômes d'inconfort
Monsieur le propriétaire, je viens de voir de perdre une petite personne dans ton corps qui ont des problèmes. L'une d'elles est quelque chose que vous avez clairement remarqué. La petite personne du réveil et la petite personne du sommeil. Celle-là est tellement puissante que celle-ci est très réprimée. Tu auras donc de l'insomnie et une gêne évidente. Mais le changement de leur pouvoir a été provoqué par une autre paire de petites personnes. Ce sont la petite personne du vieillissement et celle du rajeunissement. De manière générale, celle-ci devient de plus en plus faible avec le temps. Ceci est conforme aux lois de la nature. Mais il existe deux petites personnes du vieillissement dans ton corps. Ce contraste de puissance est trop disparate. Donc, je vais t'aider à enlever l'une d'entre elles. Bon, la coupure a été faite et je vais demander cette petite personne d'y sortir avec un sort. I usodoku putisato i bojo bolomi toku Xingu guai Wu guai ku Wu you kong pu Yuan li dian dao meng xiang Jiu jing nie ban San shi zhu fu Yi bo re bo luo mi tuo ku De Anno Tolo Samyo Samputi Kuchi Bore Bolo Mito Shi Da Shen Zhou Shi Da Ming Zhou Shi Wu Shang Zhou Shi Wu Den Zhou Nen Chu Yi Qie Ku 真是不虚故说般若波罗蜜多咒即说咒曰揭谛揭谛波罗揭谛波罗僧揭谛菩提萨婆 揭谛揭谛波罗揭谛波罗僧揭谛菩提萨婆诃 Eh bien, voilà l'initiateur de tes problèmes.
Laisse-le-moi, laisse-moi m'en occuper. Ils sont un bon remède pour raffiner la magie. Oui, à la coupure sur ton visage, elle a déjà été guérie. Tu peux la toucher si tu ne crois pas. Ça, c'est le pouvoir de la magie. Alors, le problème résolu, à partir d'aujourd'hui, tu peux t'endormir paisiblement tous les jours. Et ce que je vais te faire boire maintenant, c'est ma potion magique. Avec mon sort de vitalité, tu seras plein d'énergie au cours des 6 prochains mois à venir. Tu dormiras profondément dans ma magie, jusqu'à ce que tu te réveilles dans ton propre lit demain matin. Kushuo Pozhe Polo Mito Chou Jishuo Chou Yue Jieti Jieti Polo Jieti Polo Sen Jieti Sapour Jedi Jedi Polo Jedi Polo Sen Jedi Putti.